Hey. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Par ici, c'est le grand show. Taboré chaud, chaud sans frein. Ok, d'accord. Par ici, c'est le. Par ici, c'est le grand. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Ok, il y a quoi ici. Trois jours après. Voilà le tabouret chaud, le chaud sans frein, le chaud pas chaud, les nouvelles du pays. Vous êtes bel et bien dans le grand show. Encore une fois. C'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur Life Radio 107.7. Comme tu l'entends, dis pas comme ça, bien localisé sur la FM. Avec Ricky by Ricky. Ouais, ça va? Ça va super. Ça va mieux là. Ça va très très bien. Très très bien d'ailleurs. Ouais, ça va. Qui a enlevé là? D'accord. Ouais, c'est bizarre. Hein. Il y en a qui n'avaient pas trop le cœur sur le. Sur les éléphants, de toute façon, si, un peu découragé. Ouais. Mais apparemment, eux-mêmes. Enfin, le show hier. Dans la vie, c'est AA. Ah, mais tu as ponctuel, toi, c'est bien. Dans la vie, c'est important d'assumer. Oui, et nous, on l'a assumé. Ricky, on était tous les deux. Et c'est également important de reconnaître voilà ce qui est bon, ce qu'il y a de mieux, voilà. Okay. Et je pense que toute la Côte d'Ivoire a eu gain de cause et se fera fort et se fera fort de la soutenir. Et j'ai eu Willy Dombo et moi avions discuté avec avec quelqu'un de cette belle sélection là. Ils sont gonflés à bloc et les parents sont passés les saluer, remonter le moral, tout ça. Ouais. C'est vrai, ils vont nous produire quelque chose d'assez agréable et exceptionnel. Voilà. Qui par contre sont bien sans oublier que après la victoire du Maroc, on s'est tous rendus à l'ambassade du Maroc pour aller fêter là-bas. À la résidence de l'ambassadeur. Ils nous ont donné des drapeaux et tout ça. On est rentré. On dit Maroc a gagné. Et tout ça, c'est juste dit que les Ivoiriens sont puissants. On est très très puissants. Et franchement, bravo. La puissance. On est puissants. Ils sont sur la radio. Bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. On est déjà assis. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée dans les nouvelles du pays. Qu'est-ce que ça donne, les actus Facebook? La seule information. Les coulées sont debout finalement. On a jamais coulé, mon ami. Ah, d'accord, très bien. Avant de couler, là, tu as eu la position qu'on voit, on baisse. On était dans cette position-là. On était penchés. Penché ou bien tordu. On était penchés, on ne peut pas couler. On n'a jamais coulé, nous. D'accord. Oui, nous sommes enfin qualifiés pour les huitièmes de finale. Merci au Maroc, alors. Ouais, merci au Maroc. Il a dit que maintenant, imagine maintenant, sans croiser le Maroc pour la finale. Ça serait le même pays. Mais on leur a déjà dit merci, c'est fini. Okay, pourquoi? Merci, fini pas. Chaud. On va se battre, mais on va pas trop mettre des bâtons dans leur rouge. En fait, pour de vrai, les Marocains ont joué comme il fallait, comme il se devait, parce qu'ils souhaitaient maintenir le cap en restant premier et surtout ne pas bouger de San Pedro. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut le rappeler, ce sont les demi-finalistes du mondial, du tout dernier mondial. Et puis ils ont raison, parce que San Pedro, belle ville avec des plages et tout ça, qui va laisser ça? Avec la belle life là-bas. Et le climat, le ciel, agréablement, voilà. Je suis à Abidjan. Il fait chaud à San Pedro, laisse tomber. Pas bon. Il y a la plage. C'est pour ça qu'il va être super. Et derrière tout ça, moi je salue nos frères maliens. Franchement, c'est vrai, faut appeler les choses telles qu'elles sont. Faudrait pas déporter la politique sur le terrain, footballistique, sport ou culturel, franchement. On a vu des choses sur TikTok et tout ça. Moi, je me dis que c'est juste de la taquinerie. Faudrait pas pousser le bouchon. Faut pas ils vont se laisser emporter par c'est la famille. De toute façon, moi, je vais supporter le Burkina face au Mali. Tranquille. Pas mélanger politique. Franchement, c'est ça, en fait. Politique et foot. Et foot, ouais. Franchement, je pense que Arafat l'a dit. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est deux mondes différents. Si vous voulez voir politique, faites votre politique. Voilà. Les
pour l'instant, on dit, on entend organiser la CAN. Laissez-nous finir la CAN. Et puis, on va parler maintenant politique. Mais après, vous êtes venu vous mettre dans les histoires des gens ici. Après, comme je l'ai dit, on ne peut pas contrôler les émotions des uns et des autres. Oui, c'est donc, il y a tout ça. Maintenant, parlons des nouvelles du pays. Jamais, on parlait de quoi? Je ne sais pas de quoi il parle, celui-là. Non, non. Continuons dans les nouvelles du pays. Il y a des informations qui circulent depuis sur les réseaux sociaux. Après, on se demande est-ce que c'est officiel. Après, ce sont des pages qui sont quand même, je veux dire. Tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel, il y a une source aussi. Comme quoi, Everina est ici à Abidjan depuis un moment. On le voit. Je pense qu'il est entraîneur d'une équipe non féminine. Sauf qu'il s'est dit qu'il y a un arrangement qui a été fait. Donc, du coup, il pourrait. Merci au conditionnel. Donner un coup de pouce pour l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Il va recevoir ses sous. Il y a des entraîneurs ivoiriens ici qui peuvent gérer tout ça. Non, je dis pas le contraire. Moi, j'étais la première à dire ici que hier qu'il nous fallait un gars de chez nous. Oui, mais c'est quoi? Ils ont pris Faye en intérimaire pour gérer la situation. Faye, merci, Demel et Alain Gouamé. Les gars, sincèrement, si ils savent pas qui vont choisir, ben, ils sont demain, là. On parle de foot. Et il y a quelqu'un qui disait, s'il vous plaît, le monsieur il a gagné sa canne, ne venez pas le mettre la honte sur lui avec les gars qui sont là. Et une canne, ça se prépare, franchement. Ouais, ça se prépare. C'est pas le jour, c'est pas pendant le temps. On connaît Bouche d'Ivoirien. Ah bon, d'accord. Donc, le monsieur, bon, après, c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est avéré ou pas. Mais on attend de voir. Entre temps, d'un côté, on affiche Zidane. Comme étant le nouvel sélectionneur de l'Algérie. De l'Algérie. Mais Zidane, il est algérien, non? Ouais, d'origine. Zidane Abadé. Reste à voir. Donc voilà. Nous sommes pas obligés de dépenser des millions, des millions pour toujours des expatriés. Il y a même des entraîneurs africains. Franchement, même si c'est pas ivoirien, africain quand même. Oui, on ne va pas s'arrêter là. On va aller du côté des lions indomptables. Le sacré. Dis le nom. Le sacré chat. Vincent Aboubakar est là. Il va faire quoi? Donc au prochain match, là, préparez-vous. Hein. On est préparé. Allez, aussi, là. La cadence va changer. Même le gardien égyptien. Oui, parlons de Halle. Est-ce que la bonne chose à faire, c'est de le mettre sur le terrain? Ben, on ne sait pas. J'ai cru voir l'affiche des joueurs qui. Mon cher. Ça arrive beaucoup, hein. Mais on ne coupe pas trop les ordres, pratiquement trop. Vous êtes. Où a fait l'arrivée là? Nous-mêmes, on va proposer notre classement. Et puis, on va profiter pour dire ne mettez pas une série de joueurs là. Après l'histoire de Haller là, on le voit sur les panneaux là. Oui. L'eau qu'il boit là. Cette eau-là n'est pas sponsor du truc. Et je sais pas ce qui. Ça peut créer un conflit, genre, machin. Tant que t'as mal à vivre, mais c'est lui, ça. C'est lui, sa personne. Qu'est-ce que les gens disent? Non, lui, c'est sa personne. Lui, il ne fait pas de. Donc, il est libre de signer avec qui il veut pour son image. C'est son image. Voilà. Il vend son image comme il veut. Est-ce que c'est une bonne idée de le mettre sur le terrain? Sachant qu'il revient. Non, s'il est en forme, on peut le mettre, il peut jouer. Bon, ok. Mais s'il n'est pas en forme, on sait que ici là, il paraît que tu n'es pas un sponsor, tu n'as même pas parlé des cannes. Donc imaginez. Franchement, il me tue. C'est l'excellent, tu as mis mes trucs. Très bien. À qui, monsieur Wa? Oui. Voilà, et puis je dis pour remercier le Maroc, il y a eu Jobédol, voilà, qui a fait un truc comme ça, la reprise de la chanson de la dame. Désiré Choua. Et c'est super top. Super, oui. Ouais, c'est très chic. Akimi, merci. Oui. La dernière nouvelle qu'il ne faut pas oublier, on croise le Sénégal. Donc les gars. Tu as peur, toi? Les grands matchs se préparent à l'avance. Okay. Donc les gars, vraiment, on compte sur vous. Les gars disent que les avions à la plage. On a été ressuscités. Faut pas avoir vite mourir encore. Ok. C'est tout. Non, ça va. Moi, j'ai foi. Franchement, on avait foi. Il y en a qui faisaient semblant d'avoir perdu l'espoir. Nous, on était confiants, on était optimistes.
Et moi, je pense que ça va aller loin. Franchement, arrêtez vos histoires là. Ça va aller loin. On va aller loin. Au-delà de tout ça. On peut pas revenir de là. Mm-hmm. Et puis venir pour rien en fait. Si Dieu n'a pas une histoire pour nous, là, il n'a pas besoin de crier avec nous là. Dieu aime tout le monde. Non, Dieu aime toutes les personnes. Je parle pour moi. Encore une fois. Okay. Il y en a qui sont pas chez toi, mais Dieu les aime pas aussi. Hein. Donc voilà, moi, il parle pour moi. Chacun a parlé pour lui. En tout cas. Donc, il ne peut pas nous faire sortir de là. Venir nous faire tomber encore. Et comme derrière tout ça, il y a une partie des Ivoiriens. Sinon, non, il n'y a pas de changement. Sinon, les Ivoiriens s'insurgent également de la mauvaise organisation mm-hmm. de notre football. Yeah. Voilà. De notre football. De notre football. Et forcément, ça aura des répercussions. Ça rejaillit forcément sur l'équipe nationale. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Sinon, tout le monde aime son drapeau. Tout le monde aime son pays. Et tout le monde souhaite que son pays aille loin dans cette compétition. Surtout que c'est nous qui l'organisons. Et on supporte notre équipe nationale. On la supporte. Mmh. Et bravo à ces jeunes. Franchement, nous espérons que vous allez nous produire un beau spectacle lundi prochain du côté de Yamoussoukro. Également, c'est sur la tête de Pépé quand même. Bah oui, voilà. Pépé va se lever et shooter, bah là, vous n'avez rien. C'est significatif. Voilà. C'est important. D'accord, c'est bon là. C'est bon. Oui, on a fait le tour. Hein, d'accord, là. Quand tu parles à la française, ça fait rien. Exactement. Ok, donc je me mets en mode. Tu l'as refait. On a fait le tour en fait. Ah, on a fait le tour en fait. Ouais. Oh, t'es bien d'accord. C'est bon, je pense qu'on peut y aller. Alors, Rachid Rémi, c'est pour la Rachid Rémi. Allez, marre alors sur la musique là. Oh, la guitare. Cédric Solo. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show. Pas chaud. T'as pas tété. Quand tu m'envoies, moi je réceptionne bien. Modérateur, le show pas chaud. Oui, le show pas chaud du jour. On va demander comme ça aux auditeurs. Comme ça, même c'est comme ça. On va leur demander comment ils ont vécu la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais là, maintenant, tout ça, on prend. Non, on a dit chaud ou pas chaud pour la qualification des éléphants, non? Oui, non, non. Ils sont là qualifiés. Non, oui, mais chaud ou pas chaud. Oui, oh, bien chaud. Voilà. Oui, est-ce que bien chaud. Vous êtes d'accord et ça va bien, Tanana. Oui, oui. Et comment ils ont vécu au 27-225-49-880. Mais écoute, moi, je prends ton avis là maintenant tout de suite. Voilà, maintenant. Oui, oui. Ou bien, attends, on dirait que lui voulait dire quelque chose. Il voulait dire que ce que Econ dit aussi, c'est pas faux. Il y a des gens qui ont dit que normalement, on ne devait pas être qualifié parce qu'on vole nous. Oh, et ça, humiliation. On est petite honte, est mieux que grosse honte. Donc, là, franchement. Donc, elle est à toi. Elle est à moi. Oui, prends-moi cadeau. C'est tout à moi. Fais ce que tu veux. Chers auditeurs, il n'y a rien. C'est, voilà. C'est ma collaboratrice. Voilà. Alors, t'as dit, t'as quoi ça a défait quoi? Bon, voilà. Écoute. Ton poste de monde. Vas-y, ma grande. Non, en vrai, moi, j'ai pas caché hein, depuis notre fameuse défaite. Comment elle a dit, belle défaite. Belle défaite, ouais. Ouais, ça, c'est qui, par contre, la guinée. Franchement, moi j'étais optimiste. C'était les si. Bon, je comprenais pas trop les si. Mm-hmm. Mais quand on m'a dit qu'on avait encore une chance de se faire qualifier, mm-hmm. franchement, j'y croyais et je priais tous les soirs pour que ce soit le cas. Et là, c'est le cas. Je peux pas venir dire que, excusez-moi, non, je suis très mm-hmm. contente. Mm-hmm. Maintenant, ça se voit sur ton visage, encore ouais. une fois, je le dis, moi je pense qu'on peut pas tomber plus bas en fait. Après le foot. On peut ne pas être champion de la CAN. Mm-hmm. Moi, on peut. Je touche moi-même. On a sorti la tête haute. Voilà, c'est ça en fait. Tu vois, mm-hmm. je vais prendre encore. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais le jeu du Cameroun, leur dernier mm-hmm. match, par exemple. Les gars, on les a mis, ils ont retiré. On les a mis deux, ils ont retiré troisième. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est se battre sur le terrain, mouiller maillot, montrer que même si on a perdu dans la dignité. Mm-hmm. On perd la tête haute. Ça, là, c'est ce football-là que je veux voir de la part des Ivoiriens, en fait. Après, maintenant, on va continuer à faire les prières derrière. Et puis, on espère aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas arriver en finale? Et puis, il ne faut pas en croiser le Maroc. Parce qu'on croise le Maroc, là, bravo! Non, c'est deux en un. Ouais, donc, ouais, que voilà. On sera premier Maroc, ou deuxième, en tout cas. Ce sera une belle saison. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Mais après, ça sera du genre, on vous a laissé passer. J'ai un contrat, quoi. Non, mais nous, on n'a pas besoin. Nous, on est même sur les deuxièmes pages. Non, c'est géré, c'est gassé. L'essentiel, si on est arrivé en finale dans notre pays, c'est bon. Il n'y a jamais 203. Donc, là, si on arrive en finale, il nous faut la troisième étoile. Je pense que tout est possible. Hein, tout comme est possible, dit, là, franchement. Le premier de la classe, c'est pas seulement celui qui a les meilleurs diplômes après. Hein. Ah, c'est pas lui qui a les meilleurs diplômes. C'est pas lui qui a le meilleur poste. Et puis, souvent même le dernier, il vient employer le premier. Ah, très bien. Donc, c'est ça. C'est dans ça qu'on est.
Donc, c'est ce que je veux dire à Guy Pacom. On a été qualifié. Quelqu'un me disait que dans les championnats, il y a eu des gens connus des trucs similaires, en fait. Des cas comme ça où j'étais dernier de leur poule et finalement, ils sont revenus, ils ont pris la canne et tout. Je crois qu'ils ont même mentionné le cas de l'Argentine, un truc dans le genre. Donc, je sais pas trop à quelle compétition c'était, mais on en a parlé pour dire qu'on peut être dernier aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, il avait pu finir premier. Oui. C'est comme une publication que j'ai vue concernant l'entraîneur qu'ils ont choisi pour continuer avec les éléphants là, Hermès. Comme quoi, il y a eu un entraîneur qui Di Matteo, c'est ça, hein? Di Matteo qui était venu en intérim pour assurer l'encadrement d'une équipe en intérim. Et bon, ils ont été champions. Donc du coup, c'est possible, comme vous l'avez dit. L'entraîneur qui était là, le monsieur Gassé, il n'arrivait pas à travailler psychologiquement. Toi, tu as un problème avec psychologiquement. Il a sorti le mot rouge. L'année où Chelsea. Un peu d'eau. Mais pour Ricky. Excusez-moi, l'année où Chelsea a remporté la Ligue des Champions, là, c'était pas José Mourinho, non? L'entraîneur, je pense qu'il avait été remplacé, je pense. Donc, c'est un entraîneur qui gérait l'intérim. En ce moment, je pense qu'il est allé loin. Psychologiquement, il n'arrivait pas à gérer ses joueurs. Donc, il faut quelqu'un qui se fait comprendre, en fait, tu vois. Donc, du coup, avec le Hermès, le Fayet, ça peut aller. Parce que, comme on le dit, comme il vous parle, vous n'écoutez pas, on va envoyer quelqu'un que vous allez écouter. Mais voilà, vous motiver à jouer. Comment vous motiver. Mais après aussi, on ne va pas attendre la motivation. Et c'est ce qui est mauvais dans cette équipe des éléphants du Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ouais. Depuis les Didier Drogba et tout, on sent même que les joueurs entre eux, ils ne se parlent pas. Souvent sur le terrain, ils évitent de se faire les passes. Non, c'est pas la faute. Parce que, il y a Ulysse Sibérie. Tout simplement parce qu'ils ne s'entendent pas. Mais c'est pour ça qu'on te dit que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui est, comme tu as dit, qui est censé pouvoir rassembler tout le monde, en fait. Quand chacun a ses problèmes là. Chacun a quand même ses problèmes. Je veux dire, dans ton club, si tu ne parles pas avec ton coéquipier, tu ne parles pas avec ton frère ivoirien, c'est votre souci. Mais quand vous êtes sur le terrain là, il faut arriver à mettre tout ça de côté. Vous laissez à gauche. Quand vous allez dans les vestiaires là, vous allez récupérer ça là. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'état d'âme. Sur le terrain, c'est ce que quelqu'un disait là. Que tu sois entraîneur, que tu sois un joueur en police, c'est pas sur le terrain là. Moi, j'aimerais dire, c'est que quand tu es entraîneur, tu dois être un leader. Voilà, tu dois pas être trop le boss. Mais souvent, quand tu es le boss, là, tu as des ennemis. Tu dois être un bon leader. Tu vois, et quand tu es un bon leader, tu arrives à rassembler tout le monde. Tout le monde t'écoute. Tu évolues dans ton travail, quoi. Mais on espère que Faye ne va pas faillir à sa mission. Non, t'inquiète pas. On leur apporte des ondes positives, ma foi. Voilà. 27-225-49-880. Chaud ou pas chaud pour la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire en 8e de finale. Les éléphants de l'Ivoire affronter le Sénégal lundi prochain. Et là, on a Teranga et Roselyne va chanter un peu. On espère que ça va vous calmer. Parce que là, elle est remontée. Chaud pas chaud. Tiens compte, Garba. Naka Fatiga pour ton pur plaisir. Le show le plus chaud de la radio. Le grand show. Chaud pas chaud. Le grand show, le show le plus chaud de la radio, c'est du lundi au vendredi 18h-20h sur Life Radio, comme tu l'entends, 107.7. Aujourd'hui, nous sommes au 4e numéro de cette semaine et demain, ça sera le début du week-end. Et on va se dire au revoir et franchement, ça sera agréable. Ça sera agréable. Préparé pour le match du lundi. Et oui, franchement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous serez à Yamoussoukro le lundi là. Vous ne travaillez pas? Ah, d'accord, pas de soucis. Mais on va se faire une directe à partir de Yamoussoukro. Ah, mais c'est bien ça. D'accord, il y a un petit. Tu prends un petit convoi, on y va tranquillement avec tout le matériel. Chacun part. Et tu loues l'hôtel. Chacun baisse en transport. Voilà, le show par show, on le relance au 27 225 49 880.
Econ, le show pas chaud. Show pas chaud, chaud ou pas chaud pour la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que pour vous, bah, c'est une très très bonne chose? Vous pensez qu'ils iront loin dans cette compétition? Ou pas chaud parce que pour vous, petite honte est mieux que grosse honte. Mieux vaut qu'on aurait dû rester là où on était plutôt que d'aller encore se faire frapper. Se faire Esa humilier. Parce que nos cœurs, il y a l'ascenseur émotionnel de ça là. Et bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est bon. Okay. La qualification est bienvenue. Tu sais, souvent, là, quand tu as connu une certaine honte, là, et puis on te redonne une deuxième chance, là, tu veux tout donner. Donc, il y a ce côté orgueil, l'orgueil positif. Il y a un sursaut naturel. Les gens, c'est là. Et ils vont tout donner. Et puis, c'est face à qui ? Au champion d'Afrique, le Sénégal, qui n'est pas une petite équipe. Donc, mais ça va se passer. Donc, ils vont se laisser même. Ça sera une finale footballistico mystique. Voilà. Entre les marabouts du Sénégal. Les marabouts du Sénégal et les Akradio. Je salue Willy Dombo. C'est n'importe quoi. Tout à l'heure dans son émission, je crois, il a reçu Agbès Djei. Agbès Adjaï. Ouais. C'est pas Adjaï. Agbès Adjaï. Qu'on appelle Agbès Adjaï. Ouais. Il est humoriste dans le rôle de Mémé d'Akradio et puis de Pimpignan. le vieux qui a fait le communiqué. Je t'en suis. Allô. 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 Bonsoir. Bonjour. C'est qui là dans le téléphone? Vous nous appelez d'où? À Bobo. Ok. C'est notre auditeur. Votre nom? Adams. Adams. Ah, Adam, le réseau est très mauvais en fait. Oulala. Oudini. Oudini. Ah, comment tu vas, Oudini? On a du mal à entendre ce que tu dis en fait. Ça s'entrecoupe. Il faut bien te positionner. Voilà, c'est mieux. Là, ça va mieux. Chaud ou pas chaud? Je peux dire la tienne, mais au début, t'étais pas chaud. Mais t'es plus chaud. Au début, t'étais pas chaud, maintenant t'es chaud, d'accord? Explique-nous un peu. Parce que je peux dire, je prends un peu les mots de la chanson de Mix tout à l'heure. Donc elle n'a pas bon frein, oui, ok. Non, ça n'a pas bon frein parce que après, quand ils ont regardé le match, ils ont arrêté carrément de jouer. Et vraiment là, ça ne m'a pas plu. Après le premier but net, j'ai su que vraiment il y avait un problème. En tant que sportif déjà, moi en tant que footballeur, donc je vois déjà un peu qu'il y a un souci. Mais avec la qualification d'hier, vraiment, j'ai crié comme un enfant. Donc chaud là, tu penses que la suite ça augure que de bonnes choses ou... Oui. De bonnes choses, en tout cas je laisse souhaite le meilleur pour... Mais est-ce que tu penses qu'ils pourront aller loin? T'as même la faut nous dire ça. Quand tu regardes le statut de notre équipe, est-ce qu'on peut arriver quelque part avec cette équipe là? Maman, on a les moyens pour ça. Ok. Nos gars que je vois là, si vraiment ils savent un peu leur visage, ils vont faire mal. Parce que je ne vois même pas parmi les quatre équipes là, je ne vois même pas une équipe qui peut nous tenir tête. Mais c'est dit qu'ils essaient un peu de jeu collectif. D'accord. Qu'ils arrêtent de jouer individuellement, qu'ils essaient de jouer collectif. Et je pense que coupe comme on est dans le champ depuis le début de la CAN, la coupe va rester. C'est notre souhait. Chez nous. Okay. Merci beaucoup, Odini. Vas-y, on sait pas quand on t'entendait pas bien. Oui. Voilà, que chacun essaie de chanter l'hymne national. Que plus de chercher à savoir ce que ça signifie vraiment. D'accord. Avoir un sursaut patriotique. Ok. Merci, Odini. De le faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Reste à l'écoute. Allô. Mais c'est un peu votre radio. Oui, allô, bonsoir. Qui est dans le téléphone? Vous nous appelez d'où? Bonsoir, moi c'est M. Iboudo. Ici je fais des VTC, j'appelle des Akandji, Benjaville. Ah. On n'a pas entendu le nom. Iboudo. Ah, Ido. Monsieur Iboudo, Iboudo. Ah ouais, Iboudo. D'accord. Ok. D'accord, vous appelez de Akandji en ce moment. Ce qui serait vraiment top en ce moment, ce serait que vous arrêtiez sur le bord de... Voilà, déjà non, lui-même déjà, parce qu'il est au volant, donc j'aimerais bien qu'il garde sa voiture. Garder sa voiture là à côté. Ce serait vraiment top. Voilà. Et puis maintenant, chaud ou pas chaud pour la qualif des éléphants? Ouais, bon, moi, je vais dire, bon,
La 20 minutes, moi. Moi, ma manière de voir la chose, c'est que moi, pas chaud ou pas chaud, moi, franchement, moi, je me réjouis de l'Afrique. Aujourd'hui, quand on voit à la CAN, il y a certains petits pays, bon, pas petits pays, certaines nations du foot qui n'arrivaient pas à se rêver du football. Okay. Aujourd'hui, qui voit que. Qui joue bien, qu'on sait que dorénavant, même si on ira au mondial, mm-hmm. on sait qu'il y a la Guinée qui est là, il y a les pays, d'autres pays africains qui se relèvent, qui peuvent encore représenter l'Afrique mm-hmm. au mondial. Mm-hmm. Okay. Et puis, en grand mot, moi je dirais que bon, c'est l'Afrique qui gagne, parce qu'aujourd'hui, nous, on a des étoiles. Mm-hmm. Donc, ceux même qui n'ont pas d'étoiles ici, ils cherchent aussi à gagner. Okay. Donc, c'est une compétition. Et que le meilleur gagne. Amen. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ilboudo. Ilboudo. Notre ami de et VTC. Et bonne soirée surtout. On salue tes clients du VTC qui sont à l'écoute de la radio. Ah, voilà quoi. Ouais. 27 225 49 880, numéro de téléphone. Chaud ou pas chaud pour la qualif des éléphants? Chaud, oui. Moi, j'ai un secret. Chaud ou pas chaud pour la qualification des éléphants des Côtes d'Ivoire? Oui, moi, j'ai un secret. C'est quoi ton secret? Les gars, sincèrement, quand les éléphants doivent jouer la veille, là, n'allez pas dans les hôtels. Hôtel en poule rouge, tout ça laissé. Ils ont entendu, ils ont compris. Allô. On est en résidence. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Il y a qui dans le téléphone? Vous nous appelez d'où? C'est Konaté Mohamed Ali, chauffeur de VTC. Mohamed, j'espère que tu as garé. Tu t'es garé, j'espère. Ah, c'est un problème, je suis garé. Mais si tous les joueurs de VTC pouvaient mettre live radio dans leur voiture, faut dire ça à tes camarades, ça fait la même chose. Ils sont tombés sur un chauffeur de VTC. On vous fait un gros bisou, tous les joueurs de VTC en ce moment. Mais oui, il faut en profiter aussi. Il a dit comment il s'appelle? Mohamed Ali. Non, pardon, fais un bisou à l'icône. Moi, je te fais une salutation. Un big up, voilà. Mohamed Ali, dis-moi, je vais rentrer dans le show, je vous remercie. Mm-hmm. Je vous remercie de donner la latitude à tout le monde de pouvoir donner son avis mm-hmm. sur la TV. La radio. Moi, c'est la même famille. La radio, pardon. Mm-hmm. Voilà, moi, je vais dire que ça va être chaud. Voilà, ça va être chaud, mais si et si seulement que les joueurs jouent avec beaucoup de cœur, beaucoup de gros cœur. Vous voyez, je prends un exemple comme ça. Si l'équipe du Cameroun, c'était chaud. Et il y a eu quelqu'un pour pouvoir leur parler. Vous voyez, à mi-temps, Eto'o est rentré en vestiaire et il allait leur parler. Et quand ils sont sortis avec autre visage. D'accord. Ouais. Donc, il faut des personnes. Actuellement, Faye, on dit, c'est lui qui prend la place de l'entraîneur. Mm-hmm. Voilà, Gassé. Donc, c'est lui maintenant qui doit appeler maintenant des anciens, essayer de causer avec les jeunes, essayer de les remonter. Mm-hmm. Parce que quand on joue chez nous aussi, c'est pas facile. Il y a le public, il y a la pression, il y a la famille qui est là, tout le monde veut voir leur enfant jouer et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de pression. Mais la Côte d'Ivoire, il faut que ces joueurs-là jouent avec le cœur. Avec le cœur. Parce que quand tu vois, c'est vraiment énervant. Quand tu vois des personnes qui se déplacent, c'est-à-dire, le match doit se jouer peut-être à 17h. Tu vois, à 6h déjà, il y a des personnes qui ne sont pas au terrain. Pour aller au terrain. Mmh. Ils sont au terrain. Souvent, il y a d'autres même qui ne mangent pas. On peut aller jusqu'à où le match a même pas fini. Pour rentrer à la maison, même tu es faible. Ouais, d'accord. Bon, quand tu vas aussi et puis tu vas trouver que non, tu ne joues pas. Ça va être décourageant. Ça te décourage. Mmh. Si au moins ils jouent avec le cœur, qu'on nous a battus. Mmh. Si au moins ils sont battus, ouais. Mais tu vois, tout le monde en train de marcher sur le terrain. Tout le monde marche sur le terrain. Comme s'ils étaient sur une tête de défilé. Voilà, donc c'est pas normal. Bon, j'ai dit, Dieu merci aussi, ils ont enlevé l'entraîneur. Dieu merci, ils ont enlevé l'entraîneur. Parce que quelqu'un même, on marque déjà même jamais, il a dit sa tête. Non, on sait même pas. Mais il n'a plus de solution, il a perdu le contrôle. Yeah, il n'a plus de solution. Donc nous, actuellement, là, Sénégal, là, eux, là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Yeah. Et ils sont venus quand tu vois leur parcours là, trois matchs, trois victoires. Donc ils sont pas venus pour s'amuser. Donc ils ont enlevé une sur les tchèpes là. Si les Ivoiriens ils ont regardé les joueurs, les ont regardé là, ils doivent savoir que cette fois-ci là, il faut la grinta. C'est ça. Il faut la grinta. Moi-même, demain, même sur le terrain, les gens vont partir.
Comment on est maillot là? On va pas. On est prêt, enfin, on a commencé à acheter des maillots encore. Ah, mais nous sommes obligés de les soutenir, c'est le drapeau ivoirien quand même. Ah, donc c'est vraiment c'est un peu ça. Nous tous on a battu. Bon, comme je disais la dernière fois, j'ai intervenu sur la même radio. Uh-huh. Et j'ai dit même que ma femme même n'a pas préparé. Il dit, maman, faut te dire, tu as préparé. Mais j'ai dit, prépare pas. Comme il est fort perdu là. Il te dit, hein? Comme il est fort perdu. Elle pleurait comme ça, comme petit. Yaku. Ça fait mal. Mais si tu vois que les gens sont en couleur, si tu vois que les gens sont en couleur, c'est parce qu'ils aiment la patrie. Ouais. Mais ils aiment la patrie. Même, ils ont montré, je vois des vidéos qui suggèrent qu'ils ont cassé des buts. C'est pas normal de le faire. D'accord. Mais quand tu vois ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent, tu peux pas savoir ce qu'ils ressentent. Mm-hmm. Sur le terrain, mais tu vois d'autres personnes en train de pleurer. C'est fort. C'est les images comme ça qu'on doit prendre même pour montrer même aux joueurs. D'accord. Pour leur montrer que, voilà ce que vous faites quand vous ne gagnez pas. D'accord. Mais si vous ne gagnez pas, que vous gagnez avec mouiller le maillot, on peut comprendre. On n'est pas sorti, on sait que le football là, c'est comme ça. Il n'y a pas de petite équipe actuellement. Même les préparations même de la Côte d'Ivoire. Moi, depuis les préparations de la Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit c'est pas bon. D'accord. On devait jouer avec des équipes qui peut-être qui sont plus au niveau que nous, ou bien au même niveau que nous. Là, comme ça, on va voir vraiment nos problèmes. D'accord. Parce que quand tu joues avec mes petites équipes, ils vont prendre 9, on dit, on est fort, on est prêt. 9 à 0. On n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et voici la preuve. On n'est pas prêt. Merci beaucoup. C'est ça. Merci d'accord, beaucoup. D'accord, gentil. Merci. Ouais, merci à toi. Mohamed Ali. Le show. Le grand show, tous les soirs du lundi, vendredi, 18 à 20h sur Life Radio, comme tu l'entends, 107.7. Là, c'est bon, on finit là, on boucle là pour le show pas chaud. Bah oui, c'est bon, je pense. Et voilà, juste avant de boucler, ça va madame? Oui, ça va très bien. C'est quoi, c'est madame ou mademoiselle? Madame. Voilà. Mm-hmm. S'il vous plaît, vous pouvez déshabiller la bouteille, voilà. Oui. Déshabiller. Oui, madame, une bouteille habillée qui doit être déshabillée. Belle couleur, belle couleur. C'est quoi, vous supportez les éléphants de Côte d'Ivoire, hein? Je vais faire comment? Si. Ivoirien même aime Gouméo. Même c'est ça en fait. Vu qu'on est dans le show, pas show. J'ai le choix. Comment tu as vécu ça déjà? Comment tu as vécu la qualification des éléphants? Des éléphants. T'es chaud ou pas chaud? Est-ce que on se retrouve en 8e de finale? C'est chaud mais c'est pas chaud. Ouais, est-ce que t'es d'accord ou pas pour d'accord en 8e de finale déjà? Ou maintenant tu aurais aimé qu'on laisse les choses comme ça? Petite honte est mieux que grosse honte ou comment tu vois? Dis quelque chose. La joie est contagieuse. Okay. Quand tout le monde est content comme ça, forcément, si tu es humain, ça te contamine. Oui. Donc, j'ai été contaminée par la joie et tout ça. Sinon, en réalité, moi-même, personnellement, j'ai eu peur. Mm-hmm. Parce que j'ai été trop touchée des 4-0. 4-0, là, ça m'a traumatisée. Ça t'a choqué, ouais. Donc, franchement, j'ai enlevé mon esprit. Dis, moi, il n'y a plus match encore. Et tout le match de Côte d'Ivoire, je ne regarde plus parce que ça m'a trop. Peut-être lundi, là. Non. Attends, tu as suivi ça où je t'ai vu quelque part. J'étais à la mairie de Cocody. Oui. Avec le maire là-bas, on avait nos invités qui étaient là et tout, qui n'étaient pas forcément ivoiriens. Si. C'était trop gênant. Ouais. Il y avait trop d'émotions. Okay. On marque, on dit non, on fait comme ça. Non, là-bas. C'est pas ça. c'était chaud. Ouais. Quand j'ai vécu ça, j'ai même pleuré. Je me suis surprise en train de pleurer. À cause du match. Non, après ça, je dis, oui. Il faut plus bon jouer. Tu as dit quand même. C'est de nouveau talent. Oui, mais c'est pas vrai. Mais Eunice, le match du lundi qui arrive là, c'est comment? Tu n'as pas regardé? Non, je ne regarde pas. Hein? Je ne vais pas mais regarder. Mais si on gagne? Non, si on gagne, bien. Comme je l'ai dit, je serais très contente si on gagne, mais je ne vais pas regarder pour protéger mon cœur. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Le cœur fragile. Très fragile. Non, ils ont besoin de soutien, franchement, au stade où ils sont arrivés. Non, je soutiens. Moi, j'aime bien. Le soutien gorge. Non, t'inquiète pas, je sais. D'accord. Donc, tu veux dire, ton avis est mitigé. Elle est soutien de loin. Elle est là pour crier. Elle est soutien de loin, d'accord. Conclusion. Ricky, t'as conclu?
Moi, je pense qu'il faut aller au bout. Hein. Okay. On a une seconde chance. Et comme je le dis, quand tu es repêché, là, tu fais tout pour qu'à l'université, tu puisses avoir tous tes diplômes. Donc, on est lancé là-dedans. Okay. On part pour la coupe et voilà quoi. Après, la honte de la qualification, ça n'a rien à voir. Ok. Mm-hmm. Donc, là, on est qualifié. C'est ça qui s'agit. Attends, quelle honte de qualification? Ce sont les règles du football. La dernière fois, il y avait quel match même? Il y avait un match et. Il y a une équipe qui a marqué à la dernière minute. Non, pas à la dernière minute. Comment on appelle ça? Penalty. C'était le Nigeria avec nous là. Le Nigeria avec nous. Voilà. Moi, j'ai dit, ah, mais le fait de jouer mouillé maillot et marquer et puis. Marqué avec penalty, c'est différent. Moi, je trouvais que c'était trop large. Ça fait partie du jeu. Mais donc. Répéter, ça fait partie du jeu aussi. Il n'y a pas de honte. Après, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, vous courez derrière la qualification. On s'en fout. Non, j'ai pas dit vous courez derrière la qualification. Non, mon problème, c'est la gestion du football. Bon, on est dans un jeu là et tout. Vous voulez qu'on court après quoi? La qualification. Donc, c'est ça? Bien sûr, le résultat. Le résultat est là, on avance, on est qualifié. On doit jouer le lundi. Tu penses que si le gars. Tu dis qu'on en fout. Si toutes les équipes sont passées, avaient eu cette chance-là, tu penses qu'elles l'auraient pas saisi? Bien sûr. Donc, je pense que tu as revu ton direct. C'est toujours possible. Moi, je suis pas en direct. Ah, d'accord. C'est toujours possible. Donc, moi, je pense qu'il faut soutenir. On est là, nous deux, là. Il faut soutenir. On soutient. Si, il faut soutenir. J'ai commandé mon maillot, ça vient demain. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Non, par rapport au maillot, là, il n'y a pas. Ils vont te livrer ça ici. Moi, mon avis. Oui. Vas-y, modérateur. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Qualification, tu étais couché, je dois venir te trouver. Tu vas pas laisser partir. Tu profites. J'ai rien laissé partir. Voilà. Donc, on va profiter au maximum. Au maximum. Okay. Restez tranquille, restez serein. Accra, je vais faire le travail. Non, arrêtez, si c'est pas fait d'Accra, je vais arrêter là. Faut laisser après d'Accra, je vais laisser ça. Jouer au foot, toi, Accra, je vais. Que Dieu nous aide. Moi, je dis moi. Chacun joue pour lui, mon cher. Oui, Nicole. Oui, quoi. Non, mais je veux dire, moi, ma position, tu la connais depuis le début. Moi, je dis. Il sait qu'on ira très, très loin, jusqu'à peut-être même jouer la finale. C'est pas peut-être, c'est la finale. Non, après, je suis un peu réaliste aussi, quoi, tu vois. Donc, tu n'as pas confiance à nos passionnés. Oui, on a fait confiance à l'arrivée, on n'a pas dit à l'arrivée ça. Non, mais tu sais, comme tu l'as dit là, et je le redis, on peut pas tomber plus bas que ça en fait. Mmh. Les gars, on vous demande pas d'aller vous casser la tête. Moi, je sais qu'un match, il est physique, mais il est à 50% mental. J'ai même envie de dire à 60% mental. Donc, forgez votre mental. Comme vous le savez, les parents vous regardent. Toute une nation est derrière vous. Donc, armez-vous. Surtout ceux qui parient. Mouillez maillot. Laisse le soutien. Mouillez. En fait, si vous voulez même. Venez. Même mouiller le maillot. Moi, je sens que vraiment, ils ont joué avec le cœur. Ils jouent pour la patrie. Justement, c'est ça. En fait. Tu vois, le problème n'est pas qu'ils ont perdu 4-0. Tu peux jouer. C'est pas interdit d'être marqué, de recevoir des buts, voilà et tout. Donc, c'est la manière d'encaisser là. C'est ça qui fait mal. C'est douloureux, ce qui fait mal. Même si c'est un ou bien deux, même ça. Moi, je souhaite que mon équipe aille loin, même si j'ai mal. Tant qu'ils reviennent ou qu'ils se repositionnent, je vais forcément les soutenir. Okay. Et ce lundi-là, s'ils ont gagné. Tu seras à Yamoussoukro. Je donne 20 tickets gratuits. Je suis là. Il m'a envoyé. Salut-le. Bon, il dit. Pourquoi l'intensité de ta voix a baissé? Non, je dis qu'on va gagner. C'est une femme. J'assume. Dis quand on va. Il ne faut pas dire si on gagne. Il faut dire quand. Lundi, dès que l'équipe nationale, les éléphants gagnent, j'offre 20 tickets gratuits pour l'événement du 17 février 2024. Aux auditeurs de Life Radio. Aux auditeurs de Life Radio. Donc, si vous avez des gens qui suivent l'émission, c'est le moment de leur dire de faire la capture.
Dès qu'il gagne, il passe à l'acte TV. Pardon, laisse pas ta table. J'ai mal. Allez, c'est bon. J'ai la capture. C'est top. D'accord, voilà. Et c'est pour faire le show pas show 27 225 48 180. Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Bon, on le prend. Non, bon, ok, c'est bon. Non, Le grand show, l'invité du show, c'est bien sûr Eunice Zinon, avec qui c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as toi Eunice, là, on s'est écouté aventurier, c'est ça? Les aventuriers. Après, je suis Zo. Tu expliques un peu les aventuriers. Tu es une aventurière. Tu viens du village, c'est ça? Non, c'est pas le village. C'est pas dans quoi? J'ai expliqué dans la chanson. J'ai pas entendu fort. Voilà, il y a des femmes qui connaissent leur statut. Soit elles sont en couple, soit elles sont célibataires. Ok. Il y a d'autres, là, ils ne savent pas si elles sont coupées, elles sont célibataires. Mais elles sont dedans comme ça. Ils sont là, comme ça. Elles sont les aventuriers. Ah, c'est compliqué, genre. C'est compliqué. On n'a pas de compliqué, là. Je suis une aventurière. Oh, ça fait pitié. Elles sont en pratique baka dans le couple. Elles s'accrochent. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas sa position. Mais elle est dedans, en fait. Mais elle est là comme ça. C'est la femme, c'est la tisa. Elle n'est pas tisa, elle ne peut pas s'y tisa. Mais elle n'explique pas bien. Elle est compliquée. Ça va aller. Maintenant, c'est Zo. Je suis Zo, là. Je suis Zo. En fait, j'ai parlé de toi. À tous les niveaux, pas forcément de moi. Okay. Tu fais allusion à ta chimoté, c'est ça? C'est pas moi qui ai écrit, au fait, la chanson. Qui a écrit, d'ailleurs? C'est Smile. Ah ouais. Voilà, c'est lui qui proposait et tout, l'esprit par rapport à ce que les gens aimaient dans le temps et tout. Okay. Donc, il écrivait. C'est pas moi qui ai écrit les chansons. Donc, je ne vis pas ça, forcément, quand je chante. Mais là... Il a parlé de la beauté à plusieurs niveaux. Okay. Je suis zo mentalement, physiquement, et puis je ne mange pas chez toi. Je suis indépendante. Je m'assume. Et puis. Moi j'aime la partie l'argent est bon, mais le plaisir est zo. Oui, l'argent est bon. Il y a certaines filles, bon, c'est l'argent, quoi. Après, s'il n'y a pas de plaisir, elles s'en foutent. C'est lequel plaisir on parle ici? Elle va prendre le plaisir ailleurs. On est sous de la culotte, c'est ça? Plaisir. On dit plaisir. Dans tous les sens. Restaurant ou. Restaurant ou. Plaisir là-bas, c'est tant mieux, mon cher. Mais quand j'ai du plaisir, c'est ça. Plaisir. Je sais pas où quoi. On dit plaisir doux, surtout quand le gars est zo. Moi j'avais une petite question genre pour vraiment entamer l'interview, genre tout ce que vous donnez vers tu peux j'ai envie de dire nous union et l'humour, on le sait vraiment, mais on a l'impression que voilà, ça sonne de me fâcher, ça sonne. Pardon. Et la musique, on a envie de dire que ça, c'est plutôt, c'est récent, ou bien Eunice et la musique, c'était depuis très longtemps, elle rêvait de faire de la musique. Non, j'ai jamais rêvé de faire la musique, j'ai jamais rêvé d'être humoriste non plus, j'ai jamais rêvé de m'asseoir où je suis assise. C'est la raison de ton arrivée dans la musique. Dans la musique, j'ai juste comme ça, j'ai aimé, je voulais chanter, et en plus de ça, à l'église. J'étais à l'église en passant et tout. Mais chanter comme ça une chanson qui n'est pas religieuse, j'avais jamais fait ça. Moi, j'ai juste essayé en passant. Mais d'où est parti le déclic? Le déclic. C'est magnifique, Marie, de faire ça. Sinon, franchement. Parce que je l'accompagnais au studio. Je l'accompagnais chez Pache là-bas. Et puis, tu me suis, mais tu fais quand même. Viens chanter. Viens chanter là-bas. Okay. Avec Marie, il faut l'aider à faire un truc. Voilà, pas qu'elle me suit, venir s'asseoir. C'est pas qu'elle s'assoit. Elle trouve que je dis. Elle va venir s'asseoir. Elle va faire aussi. Comme ça, on va durer ensemble. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Donc, mais pour de vrai, franchement, on croirait qu'elle était prédestinée à ça. Et est-ce que ça te fait dans le temps, c'est dans le feeling, tout ça. Ou tu le fais juste pour. Elle est en train de dire quelque chose d'intéressant tout à l'heure. On n'oublie pas, on va revenir. Oui, c'est justement pour ça que je pose la question. Elle a dit qu'elle n'est pas tombée dedans. Vraiment par amour, en fait. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui lui a conseillé, qui lui a suggéré de faire de la musique et elle a fait. Donc là, je lui demande si aujourd'hui, justement,
Est-ce qu'elle l'a fait juste pour suivre ou aujourd'hui qu'elle est dedans, elle aime vraiment ce monde-là? J'aime vraiment ça. Je suis allée faire une prestation, puis les gens applaudissaient. J'ai aimé la sensation. C'est vrai. Elle me fatigue. Et moi, ça, j'ai dit, moi aussi. J'ai dit, c'est bien. Et puis, j'ai aimé le mood et tout. Et puis, quand je sens que, quand quelqu'un chante et je vois les gens touchés par sa chanson, je suis émue de ça. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. D'accord. Donc on revient à ce que tu disais, Ricky. Non, mais elle disait que elle avait pas l'intention, elle se pensait pas être assise là, elle pouvait pas faire la musique, la comédie et tout. Mais comment est-ce que ça arrivait en fait? Un matin tu te lèves, tu prends ton téléphone, pour la comédie, oui, c'est comme ça. Je regardais les réseaux sociaux. J'étais à une période de ma vie où j'avais pas validé mes matières. Okay. Je devais reprendre des matières. Tu étais à la fac? J'étais à la fac, je faisais le droit. Ok, waouh. Je devais reprendre les matières et j'étais dans une phase où je réfléchissais beaucoup. Je disais ma vie, je déprimais, franchement, je déprimais. Et avec ma famille, c'était compliqué. Tu vois, quand tu n'as pas la moyenne, là, quand je te regarde d'une manière. Quand je te casse la maison, on crie ton nom. Un espoir, arrêtez ça. Voilà, c'était dans ce mood que j'étais. Et puis, j'ai dit, bon, je vais trouver refuge quelque part. J'avais un ami qui faisait dans le cinéma. Il sortait souvent, il fait des films. Il dit, viens tourner avec nous aussi. Son nom? Et j'ai Herman. Herman, d'accord. Il y a longtemps. Franchement, je me dis, dans la vie, il y a des corbeaux. Des corbeaux qui viennent t'aider à des moments clés de ta vie. Dans la Bible, c'est écrit qu'il y avait dans le désert et tout, c'est les corbeaux qui apportaient la nourriture. Bon, c'est pas c'est à Jésus à qui. Bon, je suis allé sur la bouche. Voilà et tout. Voilà, c'est ça. Fouillez les versets. Fouillez dans la Bible. Voilà, donc, moi, je le considère comme un corbeau parce que j'étais dans une période vraiment compliquée. Et il est venu au moment là et il m'a proposé de tout. Herman, de le suivre et tout. Et dans ça, j'ai commencé à faire des vidéos, pas forcément des vidéos collage. Je mettais comme ça sur le tournage, quoi. Des blagues. Okay. Et puis un jour, je tombe sur une dispute de Maman Tina Glamour avec une dame burkinabé à propos d'Arafat. D'accord. Donc, je voyais que j'ai regardé la première vidéo de Maman Tina, j'ai regardé la vidéo de la dame et j'ai vu que c'était des réponses qu'elle se donnait. J'ai dit, mais moi, quand même, il faut être pacifique. Je vais être l'arbitre. J'ai dit, bon, je vais me mettre au milieu. Je vais faire en sorte que la facilitatrice puisse se réconcilier. Okay. Se répondre avant devant toi. C'était pas réconciliation. C'était se répondre d'abord. Non, mais en fait, je voulais dédramatiser la chose. Okay. On apprenait une autre tournure. Donc, dans l'esprit de dédramatiser la chose, je me mets au milieu, puis je pose des questions comme ça. Pour elles-mêmes, quand elles vont regarder, elles vont se rendre compte que franchement. Voilà. Donc, je fais ça. Quand je lance, ça prend vraiment une autre tournure. Tout le monde dit, hey, mais attention, c'est quelle vidéo ça? C'est quoi ça? Ah, c'était vraiment novateur. Okay. C'était jamais vu. Et c'est comme ça que c'est parti. De fil en aiguille. Et j'ai continué. Et je me suis penché réellement sur le cas Arafat. Okay. Parce que je traitais l'actualité et il faisait toujours partie de l'actualité. Il était lui-même l'actualité. L'actualité, ouais. Yeah. Voilà. Et après son départ, ça m'a affecté à un niveau qui moi-même m'a dépassé. Parce que je n'ai jamais imaginé dans mon esprit que tu fais une vidéo sur quelqu'un qui est l'actualité et que l'actualité pouvait mourir. Jamais. J'ai dit que il a mourir juin, mais vraiment pas. C'était pas maintenant là. Peut-être que j'ai produit des choses, j'étais devenu maintenant une graine là-bas et puis un jour il s'élève et dit oh je me sens vieux. c'est ça. Donc ça m'a touché. Mais là déjà c'est comment tu es venu sur les réseaux sociaux. Là tu viens d'expliquer là. Mais et la scène. La scène ouais. Pour la scène. La transition réseaux sociaux. Réseaux sociaux, scène là. C'est magnifique. Toujours. Le magnifique. Il y a un grand amour entre magnifique et toi. Oui, on s'apprécie beaucoup. Ici. Donc, j'étais, comme je disais, j'étais avec lui. Il m'a. Non, d'abord, j'étais partie avec le président Vescaille. Le président Vescaille que j'ai aimé et tout, après ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Je l'ai rencontré une fois au marché. Ensemble. Je l'ai rencontré une fois au marché, Coco Vico, je passais. Il dit, ah, vraiment, je te vois faire des vidéos, je t'aime bien. Et comme ça, il me dit, ah, ok, prends mon numéro, on se parle. Donc, j'ai pris son numéro, j'ai parlé avec lui. À partir de mes vidéos que je faisais, il me donnait des exercices d'humour. Fais ça comme ça, comment tu vois ça? D'accord. Et il me dit, bon, moi je vais à des réunions, là-bas ce sont les humoristes professionnels. Ok. Viens aux réunions, tu vas t'intégrer dedans, et puis au fur et à mesure, on va voir pour l'autre côté. Donc je vais avec le président Vescaille à la réunion. J'étais chaud d'air, un accoutiste.
On est passé par la vie. On va décomposer et tout. Warren, on arrive à 13 gilles. Ok. Et là-bas, il y avait la réunion, effectivement. Donc, j'ai participé une fois, deux fois, trois fois. Okay. Et pendant les réunions, les autres, les grands arrivaient, les Akalawa, les magnifiques, vraiment, les grands venaient comme ça. Avec leur grosse voiture. Voilà. On savait qu'eux, ils donnaient l'humour, ils étaient déjà quelqu'un. Si, si. Okay. Voilà, mais on ne les connaissait pas forcément, les vies et tout. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais ils savent que ceux-là, ils font humour. Si, si. Donc, ils disent, ah, les grands frères, là, ils font humour, tout ça. Donc, on essaie de gratter un peu la photo. Ah, ils ont payé un selfie et tout. Ok. C'est dans ça que Magnifique dit, mais toi, tu fais quoi ici? Je te vois sur les réseaux, non? Parce que aussi, je faisais mes choses sur les réseaux, mais je n'étais pas forcément très, très connue. Yeah. Mais on me voyait quand même. Mm-hmm. Et quand je te vois sur les réseaux et tout, il dit oui, et tout, et tout. Il dit, mais tes vidéos que tu fais, il faut revoir ici un peu. Et c'est comme ça que j'ai le contact avec Magnifique. Ok. De Vescaï. De Vescaï. Je transite avec Magnifique. Magnifique, ouais. Et à partir de Magnifique, je collabore aussi avec Willy Dumbo. Will Dumbo, oui. Oui, on a fait Adam et Ève. Adam et Eva. Ah, voilà, donc je transite avec Will Dumbo, ouais. Mais je reste avec le Magnifique. Magnifique, oui. Et dedans, il y a la musique, comme tu as vu. Et puis maintenant, l'humour. Il m'a dit qu'il ne faut pas seulement te limiter sur les réseaux sociaux. Okay, parce que les réseaux sociaux, ça peut partir. Si tu t'en vas, tu fais comment? Il faut aussi avoir la scène. Okay. Donc, il me donne des exercices. Il dit, bon, aujourd'hui là, écris-moi un test drôle sur le célibat. Okay. Ou bien, si une femme qui trompe son mari, ou bien tant, je prends le thème, je développe de mon esprit, je viens et lui dis, voici ce que moi j'ai vu. Donc, quand je lui dis, non, corrige ici, enlève ici, fais comme ça, d'expliquer. Ouais. Il me dirigeait comme ça. Okay. Et puis, un jour, il est allé à une soirée, puisque je le suivais. Il y a une soirée, il dit, bon, j'ai mon élément qui est là. Il ne m'avait pas prévenu. Applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Vous la connaissez un peu sur les réseaux quand même. Aujourd'hui, elle vous fait une bonne. Viens, ma fille. Bien sautillant. Bien sautillant. Voilà, face au. Bien sautillant. Mais moi, maintenant, il dit, mais attends. Mais il ne m'a pas dit ça. Il dit, mais c'est comme ça. Donc, il lui a dit, ah, bonsoir. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas qui m'a envoyé ici. Il n'était pas censé être là. Yeah. Okay. J'étais là, il est passé. Mais quand la tête est là, je ne peux pas porter le chapeau. Voilà, il dit, tu as fait une moula. Et ils n'ont pas laissé. Franchement, je suis allé dans tous les sens. Okay. Parce que je ne m'y attendais pas. Et après ça, quand on est sorti de là-bas, il y a des gens qui sont venus me voir, ah, pour moi ça va aller, il ne faut pas abandonner. Ça dit, quand tu as tapé un peu pour voilà. Ton il est venu me voir, il dit quand on commence, il dit que. Ça peut aller. C'est faux. Bon. C'est un poteau, c'est rien du tout. Et c'est comme ça, il m'a dit, tu as vu ce qu'il a fait, non? Demain, tu fais encore. Hein. Donc la faute. On ne peut pas toi aller pas toi. Autre, ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Au fur et à mesure, s'il m'appelle comme ça, je fais un peu, je laisse, il corrige. Okay. Et au fur et à mesure. Et après, chacun est parti de son côté. Bien évidemment, tu n'as pas resté tout le temps accroché à quelqu'un. Oui, oui. Chacun est parti de son côté. Et de mon côté, j'ai dit, bon, j'ai fait l'humour un peu avec Magnifique. J'ai écouté ici, j'ai écouté là-bas. Eunice, lance-toi réellement, réellement toi-même sur la scène. Parce que les réseaux sociaux, c'est vrai, ok. Mais on te catalogue en tant que web humoriste. Web humoriste, oui. Je ne suis pas que web humoriste. J'ai beaucoup de choses à donner au-delà de ça. Je vais le prouver. Je fais un premier spectacle, 1500 places. Et quand je décide ça, je dis... Tu te rappelles de la date? D'où c'est venu le 21 mai. 2021. OK. 21 mai 2021. Mm-hmm. Et j'appelle Vescaï. J'allais demander. J'ai dit, président Vescaï, tu vas bien? Il dit, oui, ça va et tout. Il dit, ah, Eunice, tu montes, hein? Il dit, ouais, ça va. Mais est-ce qu'elle te dit qu'on monte? Il dit, comment ça? Il dit, je veux faire un spectacle du monde. Je veux faire un one-woman show. Je veux être seule sur la scène. Je veux maintenir les gens pendant 1h30. Le public, ouais. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ok, on y va. Top. Il dit, on y va, comment? Il dit non, si tu veux faire, on va faire. Tu vas faire quoi? Ce que tu as écrit, on va faire. Il dit non, je veux que tu sois mon metteur en scène et celui avec qui je vais composer mes tests. Il a dit, il ne pense pas qu'il peut. Il dit comment il ne pense pas? C'est pas toi au début, tu me disais de faire ça. C'était bon, non? Mm-hmm. Donc,
gros tu challenge. Vas améliorer ça et on va proposer ça aux gens. Il dit ok. C'est comme ça qu'on commence à travailler sur l'écriture, sur la manière de rendre le test. Ok. Tout et tout et tout. Et puis le 21 mai 2021. Les gens ont répondu à l'appel. Ça a été le bim. Et ça a été le bim. Félicitations. Bravo, ma grande. Il y a même fait une petite vidéo pour te soutenir dessus, tu as vu, non? Il faut pousser là-bas. C'est là où tu as vu. Il te dit que non. Bon, frappez-vous, limez-vous, mais s'il vous plaît, ne vous blessez pas. Ouais. Ok, donc ton parcours, Herman, c'est Herman quoi, Koulibaly connaît. Comment il s'appelle? Herman, comment, Herman, je sais plus. Herman, je sais plus. D'accord, donc on va dire Herman. On va dire Herman, je sais plus. Vescaï, magnifique. Et aujourd'hui, Eunice, la grande Eunice, qui justement affrontera encore une fois la 1500 places cette fois-ci. Oui, 1500 places, parce que c'est la salle vraiment adaptée pour cet événement. Ok. Mmh. C'est quand, le 16-17? Le 17 février 2024. De toute façon, c'est ton actualité. Oui, c'est mon actualité. On reviendra dessus juste après. Thank you. Tu nous en parles? Thank you, c'était pour Arafat. C'était pour... Ah, d'accord. Oui, il eut un gros amour entre Arafat et toi. Oui, j'ai fond de commerce, tu dis que... Non, fond de commerce, mais au-delà du... Au-delà, oui. Il t'appréciait beaucoup. Oui, il m'appréciait beaucoup. Parce que quand tu apprécies quelqu'un... J'ai dû te reconnaître à une soirée. Moi, où ça? Non, vas-y. Non, c'est pas moi. Vas-y. En soirée, c'est pas les deux. Vas-y. Au-delà du fait que je le prenais pour les vidéos, pour l'actualité, c'est quelqu'un que j'ai apprécié. Oui. Parce qu'il me rendait... que je lui donnais. Ici. Après un gros clash. Non, c'était pas le clash. C'était pas le clash. Un temps là, il voulait dire, il y a des gens qui font des vidéos sur moi. Il a payé un. Il dit, c'est bon. Tu vois, il te dit, c'est toi la boss. Tu sais, non, c'est toi qui es la boss. Okay. Quand j'ai géré. On développe. Mais seulement qu'il était jaloux que si tu fais vidéo sur moi, fais vidéo sur quelqu'un d'autre. Ouais, c'était cool. Fais vidéo sur moi. Okay. C'est moi, on voit. C'est moi le violon. Mais moi, je l'ai fait comprendre que non, c'est pas toi. Tu es l'actualité, mais il y a d'autres actualités qui peuvent venir, même si tu es l'actualité principale. Okay. Et c'était ça le discours, comment il s'appelle, Debordo et Arafat. Okay. Tellement que contrairement... Tu vois qu'on écoute Thank You et puis qu'on va revenir. Mais là, quand tu nous prends qu'on est parti, toi, va. On ne sait même plus s'arrêter. On s'en va, ça. J'entends tout dans l'oreille. Oh, Thank You d'abord. C'est toi qui décides, non? Pardon, c'est pardon. La boss. Ok, il n'y a pas de là. D'accord, donc. La majorité l'emporte. Thank you. J'ai dit, ils ont écouté Thank You. J'ai demandé quelque chose, elle m'a expliqué. Parce que là, tu n'auras pas de soda. Non, ils vont dire que non, Guy Barom, c'est un genre, il est méchant, il est comme ça. Non, c'est bon. On va, Eunice, pardon. Attends, on va écouter Thank You. Let's go. Même j'ai peur parce que je l'aime. Oui, je l'aime. Il y a des ordres dans mon cœur. Jusqu'à moi-même, j'ai peur. Savoir quand on s'aime trop pour vouloir se mentir. Même lorsque les mots nous manquent pour le dire. Se voir pour contre-pour quand s'éveille le soleil. Et s'étreindre à nouveau quand s'éveille le sommeil. Je l'aime. Oui, je l'aime. Parce que je l'aime. Tu as foi d'aimer la voix. Jusqu'à moi-même j'ai. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. There we go. Applaudissements pour Eunice Dino. Grande chanteuse, pour de vrai, Eunice. Grande chanteuse. Comédie musicale. Hey, tu as douté. Eunice, grande chanteuse, franchement. C'est pour ça que j'ai pas voulu chanter. À cause de la comédie musicale. Ah, ok. Parce que quand j'ai commencé, j'ai envoyé la chanson, les gens ont dit, mais c'est quoi, ces gens, c'est pas bien, la voix est trop arrangée, la voix est trop truc. Donc là, je suis allée encore travailler pour vraiment faire la surprise le jour de l'événement. Ok. Au fait. Parce que ce qui arrive dans les. Dans le 17 février, ils vont comprendre que je ne suis pas que humoriste ou bien web humoriste. Il y aura de tout. Parce qu'une comédie musicale, tout ton corps travaille. Même ta tête, ton esprit, tout travaille. Donc il y aura la danse, il y aura la musique, il y aura l'humour, il y aura le théâtre. Parce que stand-up et puis théâtre, c'est différent. Tout ça, là, ça sera mélangé là-bas.
sans compter les lumières et tout. Ah oui. En fait, tous les arts seront représentés ce jour-là. Okay. D'accord, il n'y a pas de souci. Juste avant qu'on se retrouve à la 1500 place du Palais de la Culture d'Abidjan pour le 17 février prochain, nous, par ici, on t'offre le show sans frein et c'est avec modérateur sur la radio maintenant, dans le grand show. Le show sans frein, modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, elle a répondu. Ici. Et je suis ce gars qu'on est même. Très bien. Voilà, le truc c'est que actuellement je m'appelle Anaïs Ami Ali, modérateur. De la vache, je vais donner actuellement, là, nous tous on est marocains. Voilà. Donc on remercie le Maroc pour le coup de pouce. Et ça fait plaisir. Et comme ça, les Ivoiriens sont très, 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 très inspirés. Ils ont même donné une définition au nom Maroc. Okay. C'est-à-dire, les palettes. Maroc signifie mouvement africain pour la résurrection obligatoire de la Côte d'Ivoire. Ah bon, d'accord. On a pas dit ça. Depuis le laboratoire supposé galiléen. Voilà. Et depuis mon laboratoire supposé galiléen, moi aussi, j'ai profité, j'ai fait des analyses comme ça et j'ai regardé le Mali. Vu leur comportement envers nous, j'ai trouvé aussi une définition pour eux. Mali, malin à gogo pour ligoter les Ivoiriens. Genre, histoire de nous pousser vers la sortie. Mais c'est faux. C'est faux. On s'est ressuscité. Est-ce qu'ils ont voulu ça? Ils ont voulu. Ils ont voulu. Bon, après, moi, je pense que je mets ça sur le compte de la plaisanterie. C'est pour plaisanter. C'est la plaisanterie. Quelle équipe joue pour perdre son match? C'est la plaisanterie, là, nous tous on est. C'est balle perdu, vous voulez mettre sur le match. Vous voyez, le match, je joue pas. Bon, Sénégal, on vous aimait, mais brusquement comme ça, on s'est croisés. Nous aimons toujours les Sénégalais. C'est un face à face entre le Garba et le Tchèp. Bon, Sénégal, comme ça, j'ai trouvé aussi la définition de Sénégal, lettre par lettre. Donc, Sénégal signifie sélection échauffée naturellement pour échouer face au gardien accidentellement et littéralement. Ils vont échouer. Merci. Parce que, ce que vous ne savez pas, c'est un grand match, mais côté spiritualité, ça ne sera pas du jeu. Non, ne disons pas spiritualité, mysticisme. Il y aura au moins 5 gardiens à l'époque. Les barabous du Sénégal contre les mémés d'Akradio. La mémé d'Akradio, c'est qui avale nos buts. Là. Elle va avaler les buts du Sénégal. En tout cas, si pouvait avoir la malchance qu'on a eue là, ça va être bien. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va terminer avec le Cap Vert et la suite. Le Cap Vert, mon chic pays. C'est ton chic pays. Oui. Malheureusement, je ne sais pas si tu vas aimer la définition. Alessandra, sois salue toute la famille. Le Cap Vert, la définition du Cap Vert, lettre par lettre, c'est courir avec prudence vers son élimination rapide et tranquille. Ils vont les éliminer de vers. Ils sont en train de courir vers leur élimination. Tu m'as compris, mais. Oui, Ennis dit. Ennis, tu t'as dit quoi? C'est pas pour prendre ton temps, il faut qu'on fasse pour ton tabou. Dis-moi, ma grande. Oh, il n'y a pas fait pour. C'est pas grave. Oh, je parlais de vous avez parlé sur nous, les Capverdiennes. C'est bon maintenant. Oui, on dit qu'il y a beaucoup d'infis. Il y a une qui a dit c'est le même. Tu es un côté capverdien? Moi, le gars, il dit passer par les. Tu es Beatles. Je suis ivoirienne, je suis métisse, je suis bété gourou. Et moi, il y a un truc, je sais qu'elle et moi, on est homo. Elle s'appelle Justine, il m'appelle Justin. Merci. Un chic coupe aussi. Ok. Seigneur Jésus. Donc, merci. On change carrément d'ambiance. Voilà. Je suis dedans. Peut-être que je suis dedans, mais quand tu dis encore. Mais excuse-moi, autant pour moi. Ma bouche m'a mis en fait déjà. Non, autant pour toi. Non, c'est pas un secret de polichinelle. On connaît ta dernière relation, c'était avec tes noms. Non, non, mais. Non, c'est pas ça que tu fais allusion. C'est encore un gourmet. Non, mais ok. Genre, tu sors de là et tu rentres encore dans un autre gourmet. Ah, ok. C'est ça que je veux parler. En fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est terminé. Oui, c'est pour ça que j'ai encore quelqu'un. Tu as tourné la page. J'ai tourné. Il y a longtemps, il y a tourné. Avant que même que vous sachiez. Quand on me bêtait, dit il y a, c'est que vraiment.
avant que vous ne sachiez même qu'il devait tourner la page, la table était déjà tournée en fait. Mmh. Et ça, c'était un scandale qui est venu trouver après que on se soit. C'est quel groupe qu'on peut faire? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce scandale-là, justement, le scandale dont tu parles là, qui a été envoyé, c'était prémédité ou c'est juste une orchestration pour lancer quoi que ce soit? Je ne sais rien de ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne savais même pas qu'on m'avait filmé. Et ça vient de qui? Ça vient de quelqu'un, justement. Pas de ton entourage, j'en suis sûr. Pas de mon entourage, mais en tout cas. Non, c'est quelque chose qui a été monté. Je sais pas. Non, Pupus, ne t'inquiète pas. Non, là, il faut qu'on tire tout au clair. T'inquiète pas. Je ne sais pas. On peut amener de l'eau pour elle, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas parler de ça. Même. C'est le nouveau groupe, moi, qui m'intéresse. Voilà. C'est quel groupe Maintenant, il y a le nouveau. Qui a osé devant Guy Pacom Soumia. Et puis tu n'as pas venu m'expliquer tout ça. Il était dit. Hein. En fait, le grand frère. Moi, je dis toujours. En fait, j'entends partout. Goumen Gospel, c'est l'homme. J'ai entendu ça. Gospel. Non, attendez. Goumen Gospel, attention. J'ai dit Goumen Gospel, c'est l'homme. Thaïs. Mais. Goumen islamique là. Et là, il y a mon dieu, mais Il dit. C'est quelque chose. Mais Eunice, tu veux pas en parler, mais aujourd'hui, là, dis-nous, franchement, tu regrettes cette aventure avec Ténor ou pas? Tu as vécu de bons moments quand même. Regretter, genre, je regrette de l'avoir connu, mais quoi? Non, pourquoi? C'est les choses de la vie, ça arrive. Ça, c'est arrivé. C'est pas bien, ça s'est mal passé, c'est pas grave. D'accord, toi, c'est pas grave, c'est pas mort d'homme, c'est light. Ok. On va laisser ça. On pourrait te retrouver au cinéma comme actrice? Bien évidemment. Tu as des projets? Elle était sur un projet il n'y a pas si longtemps. Oh, regarde comment elle me répond. Oui, avec ses yeux. Oui. J'ai des projets et ça va venir. Ça vient. Femme entreprenante, battante, franchement, on te suit. Bravo. Là, c'est devenu quelque chose d'autre. Donc, c'est une femme qui travaille, qui se cherche. Au théâtre également, on t'a vu au théâtre et notamment à travers le projet là, de l'autre Caroline. C'est du théâtre, oui, ça? Oui, le théâtre, oui. Ouais. C'est du théâtre, ce sont des pièces de théâtre avec Caroline Da Silva. Donc, pour boucler la boucle, vas-y, tu veux dire quelque chose? Pour boucler la boucle, je voulais demander quelque chose. Vas-y. Comment l'ambiance avec le peuple camerounais à Yamoussoukro par rapport à la CAN et tout? C'était comment l'ambiance? J'ai vu un peu quelques stories. Déjà, je n'étais pas allé pour eux. Là, il faut noter ça. Okay. J'ai été invité par le ministre maire de Boaké. Parce qu'il y avait une activité. Ministre de Boaké, monsieur Amadou Kone. Oui. Très gentil, voilà, monsieur. Il y avait une activité fitness, grand fitness, où les femmes étaient vraiment invitées à participer. Et on devait faire le nettoyage de la ville. D'accord. C'est pour ça que j'ai été conviée, mais ça a été à coïncider. Quand je suis partie, lui, il devait se rendre au stade parce que c'est sa ville qui accueille. Yeah. Donc, il m'a demandé de venir assister. Tu es sa bonne petite? Ça, c'est comme ça. Pas bonne petite, mais genre, c'est une personne âgée que je... C'est une autorité. C'est pas un ami. Et il t'apprécie singulièrement? Non, pas singulièrement. Il t'a invité en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ça ne s'est pas fait directement. C'est l'initiative. L'initiatrice qui te quitte. L'initiatrice, Madame Tonga. Celle-même qui a organisé. C'est elle qui m'a invité. Et il a dit, bon, comme elle est ton invitée, elle est mon invitée. Okay. Venise, viens, je te reçois. C'est comme ça que tu as reçu une belle enveloppe. Enveloppe de quoi? Enveloppe de quoi? Tu as donné mon information sur les caméras, comment ça se passe l'ambiance? Je suis partie là-bas pas pour envoyer une enveloppe. D'accord. Je suis vraiment allée en soutien, non seulement Madame Tonga, mais aussi en soutien de la ville de Boaké, parce qu'il y avait longtemps qu'il était arrivé là-bas. Et elle m'avait parlé du changement, je voulais voir mes deux yeux. Parce que j'ai des projets pour Boaké. Okay. Super! Okay. Eunice, ton actualité, c'est... Ma comédie musicale. Mm-hmm. Et depuis que je suis arrivée ici, je ne m'a pas demandé comédie musicale. Ah, c'est intitulé comment même? On parle de tout, de ta vie, de ta carrière, de ta musique, tout. Mais voilà, comédie musicale maintenant, c'est le moment. L'intitulé. On ne badine pas avec l'amour. Et attention, voici le thème de cette comédie musicale. Reprends-moi ça. On ne badine pas avec l'amour. Surtout Goumen Slavé. Comment tu en auras? Eunice, on va s'entendre à quoi? Des pleurs, des rires? Des pleurs, des rires, des joies, des sentiments mitigés. Ouais. On va parler d'amour. Explique-nous un peu. L'amour, là, c'est comme ça, ça y est. Okay. Ensuite, je vais expliquer. Là-bas, on va raconter une presque histoire d'amour. Ok. Il y aura de la musique, justement. Oui. Un orchestre
ou pas? Non, on va chanter. Chanter comme ça, voilà. J'ai vu quelque part, Josette Delatour en fait partie. Oui. Et on peut avoir quelques noms de comédiens qui vont t'accompagner. Il y a ma maman Clémentine Papoué, okay, qui sera avec nous. D'accord. Il y a Alain Lucas des Césins de l'Art. Okay. Il y a Chanel, l'artiste, d'accord, du Gabon. D'accord. Il y a Hilary qui vient de rejoindre le groupe. Okay. Hilary qui est chanteuse, qui travaille avec Chico. Chico Lacoste, ouais. Chico Lacoste. Il y a Guizot, le comédien, il sort du Dicoco. Ok. Il y a José Delatour également. Il y a Serge Gras, un acteur. Ok. Et il y a Eunice Junon. Il y a Eunice Junon que je suis. Et puis moi, mon modérateur. Moi, je suis là comme ça. Non, mais. C'est ça, mais. D'accord, donc c'est le 17. Mm-hmm. 17 février 2024. À la 1500 places. Les tickets sont disponibles. 10 000 francs, 20 000, 50 000. Où elle les trouve? Déjà disponible actuellement? Oui, déjà disponible actuellement. On les trouve dans les points de vente habituels. Cap, okay, Nord, Cap Sud, okay, Sokossé. D'accord. Voilà, les tickets de 10 000 sont déjà finis. Donc, il y a ce ticket de 20 000. Ouais, 20 000, 50 000. 20 000, 50 000, d'accord. Et je rappelle que dans les tickets de 20 000, il y aura 20 tickets pour nos auditeurs. Ouais, c'est ça. Non, aussi. 20 000 pour moi. Non, non. Si on gagne, si on gagne. D'accord. Félix, tu reviens quand tu veux. Bien évidemment, mais c'est pas, chez mais moi. Mais pas demain. Non, il y a une demain. C'est un demain qui me plaît. Oui, merci. Merci. Oui, à demain. Une belle émission avec Eunice. À demain, Ricky. À demain. C'est un truc que j'ai coupé la première fois, il a dit. Vas-y, tu l'as dit quoi, ma grande? Je parlais de Arafat depuis des Bordeaux. C'est ça. Bah, merci, ça s'est passé, Iskander. L'émission est finie. Je dis entre les deux là. D'accord, dis-moi. La différence, c'est que Arafat, quand tu lui donnes de l'amour, il ouvre ses portes facilement, okay, par rapport à des Bordeaux qui est un peu plus renfermé. Donc, c'est ce qui a fait que j'avais plus d'affinité avec Arafat que des Bordeaux. D'où la chanson Thank You. Merci. Merci, Arafat. Allez, Eunice, gros bisous. Ciao, ciao.